visiteurs VIP, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Je vous souhaite vraiment une belle année 2020 avec vraiment beaucoup de bonheur. Alors, pour les personnes qui suivent mes vidéos, vous avez dû voir que j'organise des petits concours. Mais je suis un petit peu triste parce qu'il n'y a personne qui a répondu à ma question. Quand même, donnez-vous de la peine parce que même si c'est des petits cadeaux pour le moment parce que je viens de commencer, qui dit petit cadeau, au final, ça devient des gros cadeaux parce que si vous êtes beaucoup de personnes à regarder mes vidéos, eh bien, plus les gains peuvent être importants. Donc, les indices se situent dans 5 vidéos. Donc, allez voir mes précédentes vidéos et vous pouvez participer. Mon but, il est atteint. C'était vraiment, j'avais besoin de 100 abonnés. Donc, c'est chose faite. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre une chanson de Raphaël, Caravane. Alors, moi, je vais d'abord la jouer. Et puis ensuite, je vais vous expliquer comment faire. C'est parti! Puisque j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rentre comme un enfant? Parce que je n'ai plus de chemise. Et c'est le bon Dieu qui nous fait. Et c'est le bon Dieu qui nous brise. Puisque rien ne peut arriver. Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Cette caravane, mais nous partons, allez, viens. Parce que ma peau est la seule que j'ai, que bientôt mes os seront dans le vent. Je suis née dans cette caravane, mais nous partons, allez, viens. Voilà, j'espère que mon interprétation vous aura plu. Donc moi je vais vous expliquer de la manière que vous devez travailler pour arriver à la faire gentiment. Donc, la première chose, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter la chanson pour vraiment vous imprégner du rythme. Ensuite, il faut essayer de chanter avec Raphaël. Quand vous voyez que vous arrivez à chanter bien avec Raphaël et juste, vous pouvez essayer de chanter seul. Parce que de chanter seul, croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Quand on chante avec quelqu'un et tout, c'est super, c'est pas trop difficile. Mais d'une fois qu'on essaye de chanter tout seul, là, c'est une autre paire de manches. Alors voilà, donc ensuite, quand vous arrivez à chanter seul, il faut apprendre les 4 accords qu'il y a dans cette chanson. Donc en fait, il y a le mi mineur, le sol, le ré et le do. Voilà, ça c'est les 4 accords de la chanson. Donc il faut
aussi arriver à les enchaîner d'une manière fluide. Parce que si vous ne savez pas enchaîner les accords de base, du coup, ça sera un petit peu difficile de la faire même le plus facilement possible. Donc, du coup, moi, je vous invite à vous entraîner parce qu'il faut quand même arriver à faire du style comme ça. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire de cette manière, ça risque d'être un tout petit peu difficile. Mais il ne faut pas vous décourager, il ne faut surtout pas vous énerver si vous n'arrivez pas à la faire. Il faut vous entraîner petit à petit. Comme j'ai expliqué précédemment, il faut essayer de s'entraîner d'abord pour chanter, puis de pouvoir chanter juste et aussi comprendre en fait ce que vous dites, parce que ça, c'est vraiment la base de l'interprétation, si je puis dire. Ensuite, de pouvoir enchaîner les accords. Après, dans la chanson, le rythme, pour les personnes qui sont un tout petit peu plus avancées, alors c'est bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas, bas, voilà, ça c'est le rythme pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées. Mais on va la faire comme je l'ai chanté précédemment. Alors, je répète, en fait, il y a le mi mineur, le sol, le ré et le do. Si vous ne connaissez pas les accords, vous pouvez vous rendre sur mon forum qui s'appelle Musico. Moi, je l'ai mis dans le lien de la description. Et sur ce forum, en fait, il y a beaucoup plus de détails. Mais comme je viens de commencer ma chaîne YouTube et mon forum, je vous invite à avoir de la patience car je le remplirai au fur et à mesure. Et puis surtout, n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas compris quelque chose dans les commentaires ou dans mon forum. Ou alors aussi, n'hésitez pas de me demander les chansons que vous voulez faire ou égal. En fait, moi, je suis vraiment ouverte à tous les styles. Donc, vous pouvez faire du rock, du jazz, pop, pop folk, heavy metal, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est vraiment avec un grand, grand, grand plaisir que je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le principe pour travailler. Donc, il vous faut d'abord apprendre la chanson, essayer de la chanter seule. Ensuite, il faut mémoriser les quatre accords. Et après, il faut essayer de la faire vraiment vous chanter. En fait, il y aura la partition pour que vous voyez exactement quand est-ce que vous changez les accords. Parce que je pense que ça, c'est une question que vous allez très certainement me poser. Alors, les accords, ils sont vraiment en dessus des paroles et c'est vraiment à ce moment-là que vous devez changer. Alors, la partition, elle se trouve sur mon forum. Voilà, je vais essayer juste de vous montrer le premier couplet. Tout doucement, je chante et je fais les accords. Puisque j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Voilà. Alors, sur le premier couplet, vous pouvez voir que à la fin,
Il y a deux accords, le ré et le mi mineur, qui se trouvent beaucoup plus loin des paroles. Donc vous allez me dire, mais à quel moment je les fais, ces accords? Ben en fait, vous les faites à la fin quand vous avez chanté « Attendre ». Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.